Et bienvenue, bande de petits coquinous, coquines, gaillards des échenapans. On se retrouve donc sur Metro 2033 et sur la chaîne ATG en exclusivité Any Types of Games, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de nouvelles vidéos pour eux. Bah, la dernière, c'était Metro 2033, l'épisode 1. Là, je vous fais l'épisode 2. C'est logique en même temps. Et donc voilà quoi, je vais vous continuer ben, l'aventure Averk, c'est qui Averk? Avec Artyom dans les bas-fonds du métro moscovite. Puisque vous savez, il y a un hiver nucléaire, il y a eu tout un tas de bordel à la surface de la planète. C'est totalement inhabitable. Donc on va continuer l'aventure. Ça fait genre au moins un mois, je crois, que le premier épisode j'avais Hunter posté. did not Je return. me souviens absolument plus It de là will be easy to où, find de an ce qu'il va falloor excuse que je to leave the fasse, station de où after ça you s'est escape. arrêté le premier Many people are épisode. aware. Et les touches, je m'en souviens Heading to Riga the next day. encore And moins. the Je lance mon petit guards chronomètre, 20 minutes. assigned on for the Donc ride. voilà, j'espère que ça va vous Why, my plaire et friend? j'espère que je vous ai manqué Please surtout. throw out your weapon on my firing Mais je suis line. sûr que vous en avez Don't hang out to strictement stake out the rien à parking battre. lot, ok? On continue notre petite aventure. Alors je sais plus, attends. La boussole avec le journal, je crois que c'est G. Ouais, c'est ça. Clic droit pour voir bien. Et clic gauche pour allumer notre fameux briquet. El briquetto. C'est par là-bas. Ok. Je vais monter le son dans mon casque maintenant, c'est bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Pourquoi Steam s'est ouvert? Ok. J'ai dû effleurer peut-être table. Oui, ta gueule, je suis là, allez. Ah, je suis toujours prêt, moi, mec. Rien ne me fait peur, le petit barbu, là. Bah, lui qui va m'apprendre comment gérer le stress. Je sais pas si vous voyez un peu l'espèce de petite barre là qui s'affiche en plein milieu de l'écran qui brouille un peu la qualité graphique. Je sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est à cause de la synchronisation verticale qui n'est pas là, pas activée, et je crois qu'on peut pas l'activer dans le jeu. Artyomka! Free at last, huh? Well, for as long as the ride takes, anyway. Should be fun. More dangerous. Even better, right? Ah, c'est cool, c'est dangereux. Génial, hein? It was the first time I had left the safety of my home station. It troubled me that I hadn't told my stepfather the truth. I would not be heading straight back from Riga. But Hunter was depending. So, where are you from? Riga. I'm making the rounds, buying merchandise. Well, I bet you've seen a few places then. Yeah, the market is right next to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to police, but getting there now requires a lot of luck. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1, qui connaissent pas du tout le jeu, donc on est à Moscou, dans les métros de Moscou justement. Le titre du jeu vous met sur la voie en même temps. Il y a eu une sorte d'hiver nucléaire à la surface, il y a eu des bombes nucléaires et atomiques qui ont explosé. Et donc les gens ont dû se réfugier tant bien que mal dans les tunnels du métro, essayer de bien s'organiser pour survivre. Parce qu'en plus du danger qu'il y a, du danger naturel on va dire, danger nucléaire qu'il y a à la surface, il y a des monstres qui sont apparus à cause de tout ce qui est mutation et tout le bordel. Et en plus, ces monstres, ils sont pas non seulement sur la surface, mais ils sont aussi dans le métro. Donc là, nous, ce qu'on doit faire, si je me souviens bien, c'est qu'on doit aller chercher Hunter, qui est notre père adoptif, parce qu'on ne connaît pas nos parents, pour aller l'aider, parce qu'il y a de plus en plus de sombres, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les sombres, qui envahissent le métro, et il faut que... Entre toutes les stations, en fait, faut imaginer les stations comme des villes ou comme des pays. Ils vont devoir s'organiser pour la défense, quoi, pour pas qu'il y ait de morts et de dangers. Have a safe trip. We
They're riding a ham car and we're armed, so I think we'll make it there okay. Ok, moi j'ai mon couteau. Par contre, j'ai changé. Pour le changement d'arme, ça ne me convient point. C'est pas ça. Clavier, mouvement, arme. Ah, arme suivante, j'ai pas. Alors, arme suivante, je vais mettre la molette. Ça marche pas. Génial! Donc, arme précédente. Bah, depuis tout à l'heure, je fais la molette. Mais pourquoi celle-là, s'il n'y a pas? Bon, c'est pas grave. C'est num 0, num 0, ça doit être un des deux boutons de ma souris, je pense. Pas du tout. D'accord, c'est ça pour changer d'arme. Ou alors ça. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein. Ok, et c'est ça pour recharger. Allez, appuie sur le lever là, toi. Ouais, t'inquiète. Ouh, il y a un truc là-bas, là, j'aime pas. Il y a un truc à bouger dans l'obscurité. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouh. Ils ont envie de faire dodo. What's happening to me? Oh putain! What the f... Ouh, mais faut arrêter la drogue, les copains là, les champignons. Champignons qui poussent dans le métro, je crois qu'ils sont pas très frais. Hein. C'était fort intéressant. Artyom! Over here! If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Je m'en souvenais plus du tout de ça. Putain, mais c'est un bad trip total, hein. L'enculé. Allez, debout là. Levez-toi, fous-lui des claques, je sais pas. Fais-lui, donne-lui des bifles, je sais pas. Fais un truc de ta vie là. Pour les moins de 18 ans qui ne savent pas ce que c'est une bifle, je ne suis pas responsable de vos recherches sur internet. Je tiens à le préciser. Ah ouais, non, mais là, va falloir prendre le machine gun là. Ah putain, bien sûr, j'ai pas de balles. Tiens, ah! Faire moins de bruit. J'ai pas des grenades, j'ai pas là. Lance-criquette, j'ai pas un lance-criquette. Hein. Attendez, faut que je. Ah putain, c'est sur eux qu'il faut appuyer. Putain, eux. Ouais, bouffe-toi ça là. Coup de boule, mon gars. Coup de boule. Ah ouais, là c'est pire qu'un coup de boule. Là. Non, toi tu vas te battre avec quoi? Avec ta bite? Lui il va avec sa bite à la main, tranquille. Tiens, bouffe-toi ça. Ah non, il est mort le copain. Il y a rien derrière nous, non? Il y a rien. Ah, il est mort, non, il est pas mort. Tiens, mange-toi ça là, non mais oh. Ce wagon est trop petit pour nous deux, mec. Ah putain, attends, avec tout ce que j'ai foutu dans la gueule là. Mais ah, putain. Vas-y, prends ton temps pour recharger, hein. C'est pas comme ça. Putain, pourquoi je recharge comme un bâtard? Tiens. En plus, je peux même pas me déplacer, quoi. C'est légèrement trop court au niveau des... du couteau.
Putain, et l'autre il fait quoi là, en train de droppiller depuis tout à l'heure? Ah ouais, c'est normal ça là? Ah, ça lui fait mal. Ah ouais, ben planque-toi mec, planque-toi. Conseil d'ami, cache-toi. Oh, désolé. Il est 18h, hein, papy Dim Disaster, il a besoin de son thé là, cette heure-ci. Surtout que vous voyez pas, mais j'ai une couverture sur les jambes, hein, tellement il fait froid. Ah, ça continue de m'arriver sur la gueule derrière. Eh, moi je veux pareil là. Le bossu de Notre-Dame dans le coin. Riga Station was only the first stop on my journey, but the caravan went no further. Ouais, ta gueule. Cool ta vie, je m'en fous. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça dans l'épisode, dans le premier épisode. Faudrait que je vérifie, mais je suis désolé si j'ai déjà fait, c'est pas grave. On va dire qu'on repart sur des bonnes bases. Toi, Guillaume, allez, vas-y. Da vodka. Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal, or at least some extra ammo. Here, take them. Ouais. To you. Artyom, to you. Alors, faut savoir que les munitions en jeu, c'est la, ça sert de monnaie en fait pour l'économie quand vous voulez acheter des. You really mute that shit? Quand on veut acheter par exemple bah des, peut-être, ouais, des munitions, c'est con, hein, utiliser des munitions pour acheter des munitions, ou des armes, ou des medipacks, ou des filtres pour le masque à gaz par exemple. Je trouve que c'est pas mal quand même, ça va. Ça nous plonge bien dans l'ambiance, comme quoi c'est vraiment le système D. Hein. Alors, faut que je fasse quoi maintenant? Faut que j'aille boire du whisky. Donc, c'est par ici normalement. Non, c'est pas par là. Pas où est-ce donc? C'est par là-bas. Tu es quoi toi? Tu es des coups de boule? Are you Artyom? Hey, there's a man at the Black Street waiting for you. He's kind of big and scary. And he doesn't smell good either. Oh, I'll guide you there for one ball. Est-ce qu'on lui donne une boulette ou pas? Une boulette de shit? Elle m'a l'air d'être sincère, il est mignon avec son petit casque. Allez, je lui donne une petite boulette. Alors, il est où ton mec là que je dois aller le voir? Attendez, la lumière, je sais plus c'est quoi. C'est T, non? Non, c'est F? Non, c'est V? Non, merde, V, ok, alors d'abord. Vu c'est le masque à gaz, je vais l'enlever, c'est peut-être C. Non, alors C, c'est pour la dynamo. Ok, c'est C, bon ben, c'est C. Alors ça, la dynamo, c'est pour recharger en fait votre... votre lampe torche. C'est bon si t'as avancé un peu dans ta vie, jeune homme. Ouais, des balles. Alors, vous avez deux sortes de balles. Les balles type normal, recyclées entre guillemets, qui sont pas très efficaces et qui coûtent pas énorme et qui valent pas grand chose. Et les balles dorées là, de type militaire, qui sont les plus rares, qui font beaucoup de dégâts et qui valent grand chose. Donc tu veux quoi toi? Bonjour madame. Faut que je m'assoie. Faut que je fasse quoi? Mais faut que je fasse quoi là? Putain! Faut que je fasse quoi? Bah voilà. C'est pas comme si la chaise était en surbrillance depuis 2 minutes. On va m'appeler Whisky. Whisky Cock. Cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So,
You help me get to Dry, I'll give you my AK when we get there. Deal? Good. Here's an advance payment, in case you need to gear up first. Are you ready? Ok, donc faut que je l'aide lui à traverser les tunnels. Parce que tout le monde croit en fait que je suis immunisé contre... contre je sais pas quoi, contre les sombres sûrement, contre les méchants. C'est pas F5 pour sauvegarder, non, c'est... je sais pas. Ça sauvegarde sûrement automatiquement. Bah attendez, je vais regarder dans les touches quand même, là, parce que ça m'intrigue, ça a pas l'air d'avoir... Ah si, non, mais ça sauvegarde automatiquement quand il y a le petit disque en bas à gauche qui tourne. On va mettre la lampe. Non, franchement, je veux bien t'accompagner, mais ferme ta gueule, chante pas, franchement. Je suis désolé pour les gros mots, c'est mon style, mais... Il y a des fois, il y a des gens, ils savent pas se tenir. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Il y a une touche pour voir notre montre et pour voir combien de temps il nous reste sur le filtre de notre masque à gaz. Okay. Non, moi je vais mourir, t'inquiète. Allez go, putain mais je peux même pas avancer. Ah si mais non mais... Attendez je me gratte l'oreille. They rarely attack groups of people. But if you're alone, watch your ass. Ouh putain ça m'a fait peur. Enfin ça m'a fait sursauter, enfin ça m'a surpris quoi. Par contre je veux bien tes munitions mec. Tu m'excuses, hein, je me sers sur toi. Quel est donc ce bruit? C'est trop silencieux, je trouve. Either the ground is making that noise or the wind. I also heard tales of singing pipes. They say if you listen long enough, you can hear the voices of the dead. What bullshit. Je sais pas pourquoi, mais toi, dans 2 minutes, tu vas regretter tes paroles, tu vas avoir l'air d'un con. De quoi ici? Forcément des trucs cool. Ah, jolie munition. Oh! Tiens. Tiens, bouffe-toi ça, toi. Peut-être allumer ma lampe. Oh, putain, c'est quoi? Mais non, arrête de mentir! Putain, ils sont dans les trous. Y'a quoi ici, hein? Ah, je veux bien celui-là. Y'a des trucs là dans le coin, là, ça me... C'est une charlupine. Tiens. Meurs, chipeau de Satan. Bon, allez, c'est bon. Je dégage d'ici. Pour poursuivre notre petite aventure. Je crois qu'il ne nous reste plus que 2 minutes environ, les amis, pour arrondir à 20 minutes environ. Je vais peut-être dépasser un petit peu. Ça dépend de la situation dans laquelle je me retrouverai dans 2 minutes. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Je peux pas entrer par là. Faut que je suive le monsieur. Faut que je suive Bourbon Street, là. Y a rien d'autre. Je commence à avoir faim. Je sais, ma vie vous passionne à un point fou. Alors apparemment, en plus des monstres, il y a des bandits. Ok, donc faut pas que je touche tes...
Ça là, cette espèce de système d'alarme assez rudimentaire. Parce que ça va avertir en fait les méchants, les humains. Il y a des ennemis humains aussi. Any crunch or crack will give you away. Ah ouais, d'accord. Alors les fakines dépendent de la pression du réservoir. Si elle est trop faible, les tirs seront perdus. Si la pression sur les trop... Putain, j'ai pas vu de la marque. Quoi, le... Bon, je vais prendre cette arme parce que j'ai pas envie d'un bordel pneumatique à la con. C'était quoi ça? Ah, c'est le câble là, ça là. Bon, bah voilà. On s'est fait crocher à cause de mes conneries. Allez, avance là. N'aie pas peur. Oh l'enculé! Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, ok. Oh, putain, je suis dans le caca. Oh putain, j'ai même pas tué, quoi. Ah mais non! J'ai pas de grenades, là. Ah si, ah, j'ai des grenades. Voilà, allez, il y en a un qui s'est fait démonter. Je vais peut-être prendre une arme... Putain, mais non, mais j'ai ça encore là, j'ai la vieille barre des pneumatiques là. Tiens, mange mon arme pneumatique dans ta gueule. Ah non, l'arme pneumatique c'était juste avant en fait. Ok, prends des munitions là. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 26 des balles. Hein. Ça va être chaud cacao, mon gars. Putain, mais viens là, je fous des coups de boule, mon gars. Lui, il est mort. Putain, et donc, il me touche de où, lui? Ok, j'ai plus de balles, génial. Peut-être prendre mon revolver. Ah, vite, vite, vite. Je vous avoue que ce gunfight est pas du tout passionnant, ça je le concède. C'est un des tout premiers qu'on a avec... même je crois que c'est le premier qu'on a avec des humains, mais par la suite ça sera beaucoup mieux. Je me rappelle notamment du passage où on doit infiltrer... infiltrer, on va plutôt s'échapper d'une sorte de station où il y a des nazis. Oh putain! Attends, merde, c'est comment déjà pour utiliser un. Ah, c'était ok. H. Non, F. Pour utiliser un medikit, c'est quoi? C'est N? C'est Z? Non, c'est pas Z. C'est A? Non, c'est pas ça. Merde, putain, je sais pas du tout. C'est pas ça que je veux. Putain, je sais pas du tout c'est quoi le bouton pour. La touche pour utiliser un medikit. Et sachant que je vais bientôt en avoir besoin là. Tiens, mange ça. Oh putain, lui la balle, elle a failli m'avoir. Ce petit gredin là. Oh putain, j'ai plus de balles nulle part. Bon, j'en ai trois ici. Je vais essayer de me débrouiller. Il n'y a pas des balles sur lui là. C'est là. Ok. J'ai quelques balles de shotgun. Non mais sérieux, c'est quoi la touche? Je vais regarder, c'est quoi la touche? Commande, clavier, inventaire, masque de... Mais dis pas que c'est nul 1. On va comprendre pourquoi j'ai mis sur numéro 1. Moi, je sais pas si ça va l'utiliser ou quoi. On verra bien. Là, il n'y a pas de balle, d'accord. Allez, on y va, let's go. Ma lumière pour pas me faire. Ouh, j'ai rien dit. Je voulais éteindre ma lumière pour pas me faire choper, mais il m'attendait déjà. Ça, tu vas pas me dire que lui, je l'ai pas touché depuis tout à l'heure. Oh, mais non, mais je. Je veux pas utiliser des munitions de type militaire. Sinon, ça sert à rien, surtout pour un combat comme ça.
C'est quoi déjà, c'est nul. Un poitier, voilà. Un medipack. Oh putain, attends, les deux coups de chevrotine, il est pas mort quoi. Trois coups de chevrotine, quatre coups de chevrotine dans sa putain de gueule. Bon, lui, il est vraiment con. Je crois que c'est le plus stupide de la bande. Bon, 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 là, on fait quoi? On va où? On va boire un whisky? Non mais sérieux, on va où là? Parce que tu nous as fait rentrer ici là, mais voilà quoi. Ah, ok, d'accord, c'est par là. Recharger avant toute chose. Ah bah c'est la fin. Ah bah je crois qu'on va se quitter là les amis du coup alors, puisque ça fait quand même 25 minutes environ que je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues. Donc un grand merci à vous qui m'avez suivi durant cette vidéo un peu failless, qu'on va dire que c'est la remise en jambe comme on appelle ça. Puis voilà, merci à TG, Diablo, Krydex ou Krylex, je ne sais plus son pseudo, désolé les mecs. Merci à vous de me permettre de mettre mes vidéos, cette vidéo, ainsi que la précédente, sur votre chaîne. Donc c'est moi, Dim Disaster. De toute façon, il y aura tous les bons liens dans la description, puisque cette vidéo sera seulement disponible sur la chaîne de Any Types of Games, ainsi que les prochains épisodes de Metro 2033. Donc je vous fais des gros bisous, mettez bien des coups de boule partout, faites l'amour, allez chercher ce que c'est une bifle ou pas sur internet, et à la semaine prochaine avec ce bon petit Artyom.